C'est une station balnéaire ici, non? Soleil, manque la mer, c'est tout. C'est soleil? Ouais, il est vraiment pas mal, quoi, c'est chic. Pour voir plus haut, Sochaux 7e reçoit le Paris FC 5e à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2. Deux équipes invaincues depuis 2 mois en championnat. Deux équipes qui veulent s'affirmer dans la course à la Ligue 1. Lopez à la récupération pour écarter vers Florent Hanin. Le centre de Hanin, la tête piquée! Et la domination parisienne est récompensée. Paris mène 1-0 grâce à Gaëtan Laura. Gaëtan Laura s'offre un 7e but cette saison en Ligue 2 et ça vient parfaitement concrétiser la domination des Parisiens qui attendent très haut leur adversaire. Les Sochaliens sont un peu pétrifiés. Encore une perte de balle, regardez. Ouais, le PFC qui s'est dégagé sur sa ligne, sur une reprise de Pogba. Mais attention, la balle de 2-0, le chaos peut-être pour Andy avec la barre transversale. Ce but-là, il vaut de l'or pour le PFC qui va sans doute écarter Sochaux. Abdi lancé en contre pour la 2e fois en 2 journées. Paris se retrouve à 10 et Paris parvient à marquer un 2e but dans un match et à mettre au chaos son adversaire. Vesbeck qui va centrer, Vesbeck encore, petit ballon piqué de Vesbeck, Bédia peut-être, ouais c'est fait. Chris Bédia pour le 8e but de sa saison. Chris Bédia et le buteur Vincent de Marconnet qui doit s'incliner. Paris n'avait pas pris de but depuis 5 matchs, s'incline donc. Est-ce suffisant pour Sochaux? Il reste très très peu de temps à jouer. En tout cas, Bédia s'offre un 8e but cette saison et donne un peu d'espoir, un tout petit peu d'espoir à Sochaux. Qui va temporiser, attendre tranquillement. Et la victoire donc du PFC qui s'impose, une 5e victoire en 6 journées pour Paris qui s'impose donc
et qui s'offre eh bien, une victoire précieuse, la 15e de la saison de Ligue 2, mais surtout qui eh bien, relègue un concurrent direct au play-off, Sochaux, tout simplement eh bien, à 8 points désormais. La belle affaire pour le PFC. Sochaux n'est pas encore largué dans la course au play-off, mais fait vraiment une très très mauvaise opération pour espérer disputer ses play-offs en fin de saison. La victoire avant tout. Eh oui! Ouais! Ça va, c'est pour les supporters, ça. Sacré match, hein! Bon match de Ligue 2! Merci. Merci, Gabi.